Transformation, vous aurez besoin d'un jeu de cartes entièrement bleu et de deux cartes rouges ou inversement. Vous placez ces deux cartes rouges juste ici et la bleue ici. Ce qui fait qu'on a une carte rouge, une bleue, une rouge et le reste du jeu de cartes totalement bleu. Donc pour la première transformation, donc extrait. Vous allez devoir prendre votre main comme ça, donc lever comme sur la démo la première carte, ici une carte rouge, sans enlever sa main parce qu'ici on voit la carte bleue. Donc on vient comme ceci en cachant tout le bas ici de la deuxième carte, comme ceci. On lève un tout petit peu, environ le tiers de la carte, voilà, comme ceci. Ensuite on lève un peu pour montrer, voilà, on écarte un peu les doigts en mode magie. Et avec le dessous de la paume de la main, on va venir, comme vous pouvez le voir ici, venir chercher la carte juste ici. En fait, elle va faire ce petit mouvement qui va venir toucher la carte, la deuxième carte, donc la carte bleue. Comme ceci, hop, vous levez, vous appuyez pour faire descendre la carte bleue. Et là, en fait, vous allez directement tenir votre carte bleue dans votre main comme ceci. Il ne faut pas l'empalmer, mais plus la plaquer contre votre main comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez sur vos trois doigts ici. Donc, je vous montre. Comment on fait, on lève, hop, on écarte un peu les doigts, avec la paume de main tout en bas, on prend la carte bleue. Ici, on va directement aller sur les trois doigts sur le côté, pour bien montrer que la deuxième carte aussi, elle est rouge. Et comme ça, le spectateur va vraiment se mettre en condition, il va vraiment se dire, tout jeu de cartes est rouge, parce qu'il voit en fait deux cartes rouges, comme ceci. Ensuite, on remet la carte par-dessus, on rentre tout, et hop, le jeu de cartes se transforme en jeu de cartes bleues et là vous pouvez tout effeuiller sans étaler la première partie du jeu de cartes, sinon on verra bien sûr les cartes rouges. Donc vous faites comme ceci, vous étalez un gros bloc de cartes et ensuite tout le reste des cartes bleues, comme ceci. Donc je vous montre comment on fait, donc voilà, on a avec la carte rouge, hop, magie, ici on prend la carte en dessous, on va sur les trois doigts à côté, on referme l'ensemble et là le jeu de cartes se transforme en bleu et on peut montrer comme ceci, toutes les cartes sont bien différentes. Donc à partir du moment où vous arrivez et que la première carte est rouge, le spectateur se met vraiment en condition et croit vraiment que le jeu de cartes est rouge. Et quand on montre que la deuxième carte, elle aussi, elle est rouge, là vraiment le spectateur est vraiment sûr que tout jeu de cartes est rouge. Alors en fait, le reste du jeu de cartes est totalement bleu. On passe tout de suite aux explications de la deuxième transformation. Donc pour cette transformation extrait, vous aurez besoin d'un jeu de cartes bleu et d'une seule carte rouge que vous allez placer comme ceci en deuxième position. Vraiment, tout votre jeu de cartes bleu et au-dessus une carte bleue et en dessous, juste en dessous une carte rouge comme ceci. Et vous êtes prêt à commencer votre deuxième transformation. Vous arrivez comme ceci, vous montrez que tout le jeu de cartes est bien bleu, voilà comme ceci. Ensuite, vous arrivez et vous allez empalmer la première carte comme ceci. Ce qui fait que quand vous allez l'empalmer, bien sûr, on va voir la carte rouge. Donc vous venez comme ceci, avec votre petit doigt, votre auriculaire, vous allez venir dans le coin de la carte et au moment où l'auriculaire va vraiment toucher cet angle de la carte, vraiment l'angle en haut à droite, comme ceci, vous allez empalmer la carte, voilà, vous venez, vous appuyez avec votre auriculaire comme ceci, et vous venez empalmer la carte comme ceci. Ensuite, donc, vous révélez la carte rouge ici, enfin le jeu de cartes qui s'est transformé en jeu de cartes rouge, alors que seulement la première carte qui est rouge. Ici, on a empalmé la carte, bien sûr. Donc ensuite, vous venez prendre, comme ceci, le jeu de cartes avec votre pouce et vos quatre doigts ici, toujours en empalmant la carte. Il faut bien se mettre dans le bon sens pour vraiment pas que le spectateur voit
la carte empalmée, c'est-à-dire comme ceci. Vraiment, l'angle de vue du spectateur doit être ici, voilà, vraiment comme ceci. Ensuite, vous retournez comme ceci magiquement, hop. Vous venez avec votre main gauche que vous tournez encore. Vous venez comme ceci, passez la main au-dessus du jeu de cartes, vous lâchez la carte et vous révélez que le jeu de cartes s'est retransformé, s'est remis en jeu de cartes bleues. Donc je vous montre ça, on arrive, on empalme avec le petit doigt, vraiment, hop. On montre, on prend la carte, on tourne, on revient et on dépose la carte bleue. C'est une transformation vraiment à s'entraîner, c'est un peu compliqué, donc voilà, comme la première, il faut vraiment bien s'entraîner pour ces transformations. On passe tout de suite à la troisième transformation. Pour la dernière transformation extrait, vous aurez besoin d'un jeu de cartes totalement bleu et d'une carte rouge ou inversement. Vous placez la carte rouge en deuxième position ou moi je préfère la carte rouge en première position. Après comme vous voulez en deuxième ou en première, enfin, bref, ça n'a aucune importance, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que je pense que cette transformation est un peu plus facile à comprendre que les autres. C'est que vous allez en fait plier comme ceci la carte. Ce qui fait qu'on va voir ici la carte bleue qui est en dessous et ici au-dessus la carte rouge. Donc je vous montre comment on fait. On vient avec sa main droite, comme ceci, donc le jeu de cartes tenu en main gauche en position de la gomme pour les gauchers, pour les droitiers, pardon. Et si vous êtes gaucher, vous tenez le jeu de cartes en main droite en position de la gomme. Vous venez avec votre main droite comme ceci et vous allez prendre en fait la carte sur entre l'index et le majeur. Comme ceci. Il faut vraiment bien la prendre du bout des doigts sans qu'on puisse la voir sans qu'elle dépasse sur le dessus comme ceci. C'est très important. Il faut juste la prendre au bout du doigt en fait. Comme ceci, voilà. Vous serrez bien vos doigts, vous collez vos doigts. Et en fait, le but, ça va être de plaquer la carte vraiment pour pas qu'on voit la carte qui se soulève ici, la carte rouge qui lève un peu, qui se coupe comme ceci. Le but, ça va être de plaquer la carte au maximum contre le jeu de cartes. C'est très important. Pour que ça marche bien, il faut vraiment plaquer la carte contre le jeu, comme ceci. Donc on prend ici la carte, ensuite on lève comme ceci. Et en fait, par l'effet, ça va montrer le jeu de cartes bleues, donc faut pas aller trop loin pour pas révéler bien sûr le 10 de pique, voilà, qui est complètement plié. Il faut vraiment appuyer pour pas qu'on remarque en fait que la carte se courbe un petit peu comme ceci. Il faut vraiment bien appuyer, hop, et ensuite on remet comme ceci et la transformation est faite et le spectateur est normalement impressionné. Donc bien sûr, faut faire attention avec cette transformation à l'angle de vue des spectateurs, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il soit trop bas par rapport au spectateur quand vous faites cet effet. Il faut vraiment qu'il soit plus haut par rapport à vous que bas vraiment. Si jamais ils sont trop bas, bien baissez votre jeu de cartes vraiment tout en bas pour vraiment que les yeux du spectateur soient vraiment hop comme ceci sur le jeu de cartes comme ceci, parce que si ils sont plus bas, ils vont voir en fait la courbure de la carte. Donc c'est très important, l'angle de vue des spectateurs. Vous ne pouvez pas faire ces transformations avec des spectateurs à 360 degrés, vraiment c'est impossible. Voilà, vraiment vraiment un spectateur en face qui regarde le tour de magie ici, et faites bien attention à l'angle de vue, ça pourrait nuire à votre tour de magie. Donc voilà, c'est la fin de ces trois transformations, mais également la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Vraiment, c'est des transformations à bien travailler, il faut bien s'entraîner pour faire ce genre de transformation. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, comme par exemple l'angle de vue des spectateurs et d'autres trucs. Voilà, vraiment, entraînez-vous bien pour le faire devant de vrais spectateurs et vraiment réussir votre tour de magie. Et les spectateurs, je vous assure, seront impressionnés. C'est un tour de magie quand même très impressionnant. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas une vidéo le mercredi, le dimanche à 16h et exceptionnellement pendant les vacances, une vidéo du lundi au vendredi à 16h. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. C'est très important pour recevoir toutes les notifications quand je sors de prochaines vidéos. N'hésitez pas également à mettre un gros pouce bleu. On se retrouve donc bientôt pour de prochaines vidéos. Il y a du très très lourd qui arrive. Voilà, je vous attends sur de prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas également de mettre un commentaire, de me donner votre avis dans les commentaires. Vraiment, je les lis tous. J'adore ça, lire les commentaires. Donnez votre avis. Voilà, dites-moi les points positifs, négatifs de la vidéo. Est-ce qu'elle était bien? Voilà, les points à améliorer. Voilà, vraiment, les commentaires, c'est le plus important. Voilà, mettez un énorme commentaire. Voilà, je les lirai vraiment. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Camille Trax. Allez, salut!